comme un grand échappé. Christopher Adet, oui, ça ressemble à quoi derrière? À quoi ça ressemble derrière? Alors, c'est ça, c'est ça. Vous ne voyez pas ce qui arrive derrière? Hervé. Non. Hervé. Oui, oui, oui. Non, nous avons pris de l'avance. Il n'y a pas assez d'écart pour rester en intercalé. On sait très bien que les coureurs vont descendre beaucoup plus vite que nous à moto. Donc nous avons pris un peu de champ pour sortir et voir à la fin de la descente comment ça se passe l'état des lieux. Bon, Richard, c'est vous qui nous donnez des inquiétudes là. Avec le maréchal de la tête de passer à côté de chez la maison du petit de la PP. Exactement. Signe la partie de la PP, donc du team PP Ploucard est parti justement certainement pour apporter des informations à Soaka. Et nous sommes en train de suivre le maillet jaune. La voiture, c'est un peu challengeur qui est de le pousser, mais il va s'en dire pas mal de plus vite que cela. Et dans un chronomètre officiel tout à l'heure, nous donnait un écart d'une quarantaine de secondes déjà. Et je pense que ça, entre temps, ça a dû grandir, mais il faut attendre encore. Donc nous sommes dans la petite descente là maintenant. Nous allons basculer, nous sommes pas encore au niveau je saute bien entendu. Nous avons laissé l'école et nous basculons maintenant avant de prendre la petite montée qui va nous conduire à Josso. Voilà, derrière. La quarantaine de secondes dont vous parliez, je fais face à Kivistik, Sikuti et Soaka. Il y a du monde à Rivière-Pilote, vous m'entendez? Il y a du monde à Rivière-Pilote. Hilbert avec Marc Flavien. Ben écoutez, on est dans la descente et Marc Flavien aussi. Dès qu'on voit la moto de la gendarmerie, c'est qu'il n'est pas loin. Donc vous voyez, un peu le stress. Mais bon, le stress est bon, on a pris un peu d'avance. Et oui, c'est de quoi il parle, mais il nous disait de prendre de l'avance. Et lui, il court avec la même chose. Et il était coureur, c'est ça, il était coureur dans la descente, le coureur. Et avec son vélo, il ira plus vite. Pour prendre de l'avance, ça fait clair, on a été extérieur. On fait ça, on est en avant. Et on n'est pas loin d'arriver, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marc Flavien, lui, je pense qu'il a fait le trou. Parce que tout à l'heure, on a regardé derrière, on a vu personne. Mais on va pouvoir vous dire ça, parce que nous allons arriver dans une, on va dire, un terrain qui va nous permettre de ralentir et de le voir, parce qu'il y a ce dernier virage. Il y a toujours un petit peu d'eau qui circule là sur cette route, près du pont. Il faudra faire très attention là aussi. Et donc, mieux vaut être en avant pour l'instant. Marc Flavien doit négocier la défense, parce que c'est pas négocier avec la défense, c'est négocier la défense. Parce que là, c'est vrai que ces hommes, c'est quelque chose. Une route pas trop mouillée, c'est quelque chose. Donc. Ça, c'est clair. On est à l'entrée de la Renée. Régal, je vous ai parlé de ça au premier bataille tout à l'heure. Donc, vous avez compris qu'on va pouvoir ralentir et donc apprécier Marc Flavien qui devrait être derrière. Et donc il a fait une descente magnifique. Voilà, nous sommes sur le terrain qui nous permettra donc de le voir. Marc Flavien, mais je vous ai dit tout à l'heure à Josso, c'était la trou, c'était le néant derrière lui. Donc est-ce qu'il a gardé sa distance? Voilà Flavien. Ah ouais, personne derrière. Personne. Alors, on va donner. Comme Hervé est là, on lui donne le top de la bruit là. Et de la bruit, c'est écrit Jadenou. Il y a un panneau, il y a la bruit. On va lui donner le top. C'est Estavaï Boradao, Cyprien. Voilà, là il donne 4, 3, 2, 1. Top! Il y a la brise plus sur la gauche, Hervé. Vous étiez déjà tout prêt. Voilà pour le passage du maillot bleu. Attention, il y a un gros groupe qui revient avec Chasselon, avec Cooper. Attention, avec la violette aussi. Ah, c'est pas loin, mais ça va le faire pour Marc Flavien. Ça se regarde maintenant. Martinique, faites du bruit! La rivière pilote crier! Ils sont chauds pour tout le monde, ils ont besoin de deux cochons mouillés, ok, ouais.
Mesdames et messieurs, on va remercier les partenaires Radio Caraïbes International. Les programmes au Radio Caraïbes International, Martinique en première. Banane Martinique de Guadeloupe, RSC. Et... La plaine de l'île de l'île pour appeler. Oui, sûr. On va remercier aussi Jésus du public. Flash Inlet, Sotari, Banson Marquage, Caribé, Hôtel, Coca-Cola, Brioche Vigil, Entreprise Environnement, la Team Bologna Team, Local 9, Odeur Source, Marie-Laure, ADEP, KMT, Énergie, Performance Caraïbe, CDC, Républicain, la Kimbonienne. Merci également donc à Milcom, KMT, Citroën, France Santé, NPS. Merci monsieur. On va remercier également Belcom, DJ, en disponible comme sécurité de tir, Vivre Ensemble Caribéa, via Atelier Solarinox, la station Vito, Aéroport, et bien sûr, toute l'équipe de Radio Caraïbes International qui patronne cette 8e étape. Je vous demande un peu des efforts. RCI, s'il vous plaît, Bayon, Belcom, s'il vous plaît, merci à vous, merci à Chaï. Merci beaucoup. Les premiers mots de la France, et j'attends de voir ceux qui arrivent derrière avec le maillot jaune. Nous sommes encore en train d'attendre.
ça ne va pas tarder à arriver pour Marc Flavien, porteur du maillot bleu. Soraka, Kivitskis et à 10 secondes du Kulchi. Et j'attends toujours Axel Carrier maillot jaune qui ne s'est pas présent. Et j'ai plus l'écart à Axel Carrier pour le moment 30 secondes. Donc attention, derrière il y a une autre match qui se passe pour le maillot jaune d'Axel Carrier. Attention, les écarts sont conséquents. On va faire les calculs. On va pas être pessimiste, mais attention, les écarts sont conséquents. Avec Axel Carrier qui arrive tout seul, qui ne tient pas encore 24 et qui essaie de faire passer la manche. Ah, il y a l'écart entre le groupe Soraka et maillot jaune et Axel Carrier. Une crosse pour le moment, messieurs. Attention, on va tout se passer derrière. Bien, je vais tout à l'heure la visée de ce qui est très important, évidemment, et de déclencher le chrono pour faire des cas entre ceux qui sont passés et Axel Carrier. Je rappelle qu'avec un top secondes au départ ce matin, on bénéficie de Carrier face à Soraka. Et je crois que là, on est au-delà de la minute. Est-ce que Hervé Soraka est sur le point de franchir sa ligne?